Bien écoutez, bonsoir. Je vais, conformément euh, au rite euh, ordinaire, vous donner la liste des prochaines séances de ce séminaire, en remarquant que nous, nous quittons aujourd'hui l'année 2022 du point de vue du séminaire, puisque le prochain sera le 16 janvier 23. Ça être une occasion de dire qu'à mon avis, cette année. 2022 n'a pas été formidable. Voilà. <laughs> euh, entre des événements comme la réélection de Macron, euh, la, la guerre en Ukraine, le dérèglement euh, euh, provisoire mais sensible des données du système capitaliste mondialisé, avec aussi, mais là c'est plus mon humeur peut-être, avec aussi un admirateur de Mitterrand désigné comme chef de la gauche unie, avec des phénomènes de cet ordre, je trouve que l'année 22 n'était pas formidable. Elle n'a même pas été capable de faire totalement disparaître la pandémie Covid-19. Donc, à bas, l'année 22. Et souhaitons, euh, par conséquent, une meilleure année 23. Nous la suivrons euh, tout du long, aux dates que je vous donne. Alors, le 16 janvier, enfin, tout ça en 23, et tout ça dès lundi à 20h, le 16 janvier, le 16 janvier, c'est la veille de mes 86 ans. Voilà. On tient le coup. Ensuite le 13 février, le 6 mars, le 17 avril, le 15 mai et le 12 juin. Voilà. Alors je voudrais, je voudrais commencer ce soir par une sorte de petit protocole d'identification personnelle, une sorte, vous allez voir, d'identification familiale, pour me situer au fond dans ce que je vais dire ensuite qui concernera la société tout entière dans son réel. Comme vous le savez, je suis professeur de philosophie. Et il faut voir les choses dans leur ensemble. Mon père était professeur de mathématiques, ma mère était professeur de français, mes quatre grands-parents étaient instituteurs, ma première épouse était professeur de mathématiques, mon fils aîné est professeur de mathématiques, sa femme est professeur d'espagnol, ma nièce, bon, enfin, laissons tomber. Vous voyez que la question de l'enseignement euh, fait véritablement partie euh, du corps vivant de euh, ma vie personnelle. Et alors j'ai écrit, vous le savez peut-être, une courte brochure où je parlais de la désorientation du monde aujourd'hui. Et alors il m'était revenu de toutes parts que le sentiment que, que l'enseignement lui-même, de l'école maternelle aux universités, était effectivement aujourd'hui lui aussi menacé gravement d'une désorientation essentielle, qu'il y avait un malaise constitutif de l'enseignement aujourd'hui. Alors je coupe ici droit vers le diagnostic que je formulais dans la brochure en question et que je vais en quelque sorte, à titre d'introduction, reprendre pour vous. Je pense que sur ce point particulier de la connaissance, du savoir, de l'enseignement, nous faisons face à l'omniprésence de l'information. Information, Information euh, sur les réseaux de toute espèce qui encourage nécessairement une figure de passivité, euh, voire même d'ignorance, sous la couleur d'un faux savoir organique. Au fond, une petite machine portative répond à ma place aux questions que je me pose ou qu'on me pose. Et l'organisation étatique de l'enseignement aujourd'hui ne fait rien en réalité qui permette d'apprendre à la jeunesse en sa totalité ce que c'est que quoi finalement. Ce que c'est que, je le dis en trois verbes, penser, Connaître et argumenter. Je pense que tel est, dans les différentes variantes de l'enseignement général, le but synthétique fondamental. Penser, connaître et argumenter. Alors, évidemment, il est évident qu'une réponse venue d'une machine extérieure, je l'ai aussi, hein, je l'ai aussi la machine, mais. La réponse venue d'une machine extérieure ne fait en réalité que répercuter tel ou tel état dominant des réponses possibles sans m'indiquer d'aucune façon comment on passe de l'ignorance au savoir. Il y a donc, n'est-ce pas, dans ce mécanisme euh, répandu partout d'une façon qui devrait nous inquiéter, du reste qu'il soit pratiquement progressivement obligatoire d'avoir un téléphone portable dans sa poche est une question qui nous interroge véritablement. De quoi s'agit-il Donc, euh, il est évident que tout cela euh, ne m'indique pas comment on passe de l'ignorance au savoir. Or, je formulerai l'énoncé suivant, le but d'un enseignement véritable. Et ce point a été déjà évalué et proposé par quelqu'un comme Platon. Le but d'un enseignement véritable, ce n'est nullement de collectionner des réponses extérieures, mais de savoir comment on passe personnellement et avec ses propres ressources de l'ignorance à la connaissance. Pour Platon et pour tous ceux qui se réclament de cette idée, la pensée ne peut pas être réduite à un dictionnaire, fut-il un dictionnaire complet. Et c'est bien pourquoi le héros de Platon, Socrate, aime dire qu'au point de départ d'une question, il importe grandement de savoir qu'on ne sait rien et non pas d'être immédiatement informé. Ce qui compte au fond, est de trouver, en s'appuyant sur un enseignement quel qu'il soit, le chemin du savoir. Ou pour parler encore comme ce professeur légendaire qui se nommait Socrate, de parvenir, après de grands efforts, à l'idée à l'idée qui éclaire tout le problème initialement mis à l'ordre du jour. Je vous propose la formule suivante. Le téléphone portable sait tout et donc ne connaît rien. Aujourd'hui, l'enseignement doit commencer par bannir radicalement ce genre de faux-savoir, composé en réalité d'opinions incontrôlables. Et il faut revenir avec plus d'insistance que jamais sur les savoirs problématiques, ceux dont il faut apprendre, comment les fréquenter et comment y tracer soi-même le chemin de la connaissance. Oui, véritablement, l'enseignement, c'est l'idée conquise par la pensée contre les opinions dominantes que répètent tant les machines chiffrées que les fondés de pouvoir du capital et leurs marchands de papier et de bruit réglés d'avance. Une sorte de sagesse avait conduit autrefois, dans une époque qui avait par ailleurs ses propres et graves inconvénients, hein, mais qui avait conduit autrefois à tenir pour essentiel, en quelque sorte royales deux disciplines en apparence contrastantes, à savoir les mathématiques et la littérature. Apprendre, là, c'était apprendre ce que c'est que lire un roman, ou un essai, ou une tragédie, ou un poème, soit ce qui seul fait vérité sur la subtile complexité de l'existence humaine, et apprendre aussi, et en même temps, ce que c'est qu'un raisonnement logique, une démonstration, qui seul permet de vaincre la difficulté d'une situation problématique et de tirer une sorte de vive lumière des données qui sont dans l'énoncé du problème presque encore opaque. Donc, ceci dans la métaphore de la logique comme éclaircissement d'une donnée. Alors dans les deux cas, vous voyez, le professeur est quoi Le professeur, c'est un guide d'un voyage de la pensée. Et telle est la définition idéale de son métier, quelle que soit la discipline. Montrer comment on passe de l'ignorance au savoir, non en cumulant des opinions circulantes, non par la manipulation aveugle des machines, mais par la découverte et la construction d'une capacité personnelle disponible en chacun, capable de sélectionner dans le torrent chronique des informations informes seulement ce qui servira à éclairer le complexe chemin au terme duquel on peut parler peut-être d'une vérité on pourrait dire aussi l'enseignement consiste à fournir à tout enfant à tout adolescent les moyens quel que soit le problème que leur pose la vie de le résoudre en l'inscrivant de façon argumentée dans une lumière universelle. Mais comme vous le savez, en fait, l'enseignement aujourd'hui plie les chines sous la double pesanteur d'un monde capitaliste organisé dans la seule perspective du profit et d'une technologie porteuse, elle, d'un arsenal infini. D'opinions disparates et qui ne se soucie nullement, en fait, de la différence entre le faux et le vrai, et qui se suit encore moins de ce qui fait différence entre l'universel et le particulier. Alors, dans ces conditions, l'enseignement, en dépit des efforts héroïques de nombre d'enseignants, tend à n'être plus qu'une sorte de garderie provisoire. Au terme de laquelle on lâche les jeunes dans le capharnaum des opinions et des faux-semblants, avec comme seule boussole l'impératif de se tirer d'affaire, vaille que vaille, et téléphone portable en main, dans des circonstances de plus en plus troubles. L'enseignement avait pour mission, au moins en théorie, de propager la culture de l'universel. Et donc d'orienter la jeunesse dans le monde. Il s'est agi, il faut le dire, pendant longtemps, quand on parlait de la jeunesse, de la jeunesse noble, puis de la jeunesse bourgeoise, qui seule bénéficiait réellement, jusqu'à une date finalement récente, des figures de l'enseignement. Mais au fur et à mesure que l'enseignement s'étendait à la jeunesse tout entière, Extension qui, à mes yeux, est en soi une excellente nouvelle démocratique, une nouvelle démocratique fondamentale. L'enseignement officiel s'est progressant vu condamné à une sorte de version falsifiée de sa mission. Et en ce sens, les vrais professeurs sont les premiers à en souffrir. L'enseignement est aujourd'hui lui aussi désorienté lui dont la seule vraie mission est d'apprendre comment, dans le bazar des opinions intéressées ou frivoles ou tenues dans une dictature identitaire, la pensée, sous la garde de l'enseignement réel, peut s'orienter vers ce dont la valeur est universelle. Alors pour que cette vraie mission professorale, et donc je suis entièrement dans cette affaire elle-même, hein, retrouver et sauver il faut que dans un long enseignement cohérent à valeur universelle contrôlable soit laissé de côté toute fonction purement sélective tous les jeunes permettez-moi un petit temps de communisme <coughs> inventé tous les jeunes seront inscrits dans le cursus scolaire disons entre la fin de la maternelle comprise et compris aussi les premières années d'université, devenue obligatoire pour tous. Autrement dit, tous les enfants et adolescents, donc tous les indus vivants entre 4 ans et 19 ans, doivent apprendre ce qui compose le socle minimum d'une culture de citoyens éclairés et l'ensemble des méthodes permettant en réalité de passer personnellement de l'ignorance au savoir. Et alors ce, cela impose au moins, là, permettez-moi un moment programmatique, ça se compose au moins de huit points, huit impératifs. Premièrement, apprendre à lire, bien sûr, mais plus encore, apprendre à aimer lire, à aimer commenter des livres, et singulièrement, bien sûr, les chefs-d'œuvre reconnus de la littérature et du théâtre, mais aussi savoir lire et discuter ce qui est proposé au registre de la littérature contemporaine. Donc ça, c'est le premier point, la lecture, bien évidemment, mais la lecture orienté de telle sorte que au long d'une existence scolaire prolongée on apprend ce que c'est que le choix des lectures et leur portée et non pas seulement à lire un prospectus deuxièmement et ce point me paraît tout à fait lui neuf et essentiel apprendre à présenter en public par exemple devant la classe, hein. un point de vue argumenté sur une question relevant soit du programme, soit d'un choix personnel, comme un livre qu'on vient de lire, un film qu'on vient de voir, un poème qu'on aime, soit un point de la conjoncture collective du moment sur lequel on a des questions ou des convictions. Présentation donc qui donnera l'habitude à chacun de parler en public. Et d'être en état de parler en public. Et cette présentation sera suivie d'une discussion ouverte à tous les assistants, donc à tous les élèves présents, et dirigée selon des normes qu'on espère démocratiques par l'enseignant ou l'enseignante responsable de la classe. Mais cet apprentissage général de la capacité de la parole en public me paraît un élément constitutif d'une politique digne de ce nom. Troisièmement, tout ça, n'est-ce pas, entre 4 ans et 19 ans, acquérir un niveau mathématique allant du calcul élémentaire et du tracé des figures au fondement aujourd'hui reconnu de l'algèbre et de l'analyse. Alors disons en gros une culture mathématique qui au total devrait avoir le niveau de celle que demande, mettons, une première année de préparation au concours des grandes écoles. Et ceci devrait être considéré comme une culture, une culture de ce dispositif de pensée tout à fait fondamental et singulier que sont les mathématiques dispositif qui doit être à la disposition mentale de la totalité de la jeunesse et non pas être simplement considéré comme une barrière sélective des concours de grandes écoles. Quatrièmement, parler et lire sans hésitation au moins une langue étrangère. Ça, c'est au fond. La petite touche d'internationalisme obligatoire. Et j'insiste, ce n'est pas la prendre euh, comme euh, un fruit mort. Euh, C'est la prendre de telle sorte que l'on soit réellement en état de soutenir une discussion dans cette langue ou d'écrire une lettre dans cette langue. Cinquièmement, cinquième point, avoir acquis une culture cinématographique. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup et souvent, pour la raison que nous savons tous à quel point les images sont constitutives du monde d'aujourd'hui, dans toutes ses dimensions. Et au fond, une partie de la perception est désarmée face à ce flot des images, car elle n'a jamais eu l'épreuve de ce que c'est que discuter ces images et savoir ce qu'elles constituent dans leur message. Qui peut être ou valide ou invalide. Et ça, c'est tout de même dans l'épreuve d'une culture du cinéma, qui est le véhicule majeur des images de toute nature, qu'on peut l'apprendre. Il faut que tout le monde puisse distinguer, sans appel possible, tant au cinéma qu'à la télévision, un film ou une série estimable, c'est-à-dire porteur d'une signification intéressante d'un grossier navet ou d'un avatar de la publicité marchande. Je pense que euh, l'exclusion euh, du sens des images dans euh, l'appareil éducatif contemporain est une grave erreur et une grave absence véritablement. Quelque chose qui aurait dû être traité à l'instar des propos euh, livresques. Et des écritures, l'apprentage de ce que on peut penser et inventer ou protester devant le flot des images devrait faire partie de l'éducation essentielle. En sixième point, avoir de l'histoire, la grande histoire, l'histoire qui va de la préhistoire à aujourd'hui une connaissance synthétique et documentée. Et là encore, une norme que je propose, c'est que cette connaissance devra éviter les restrictions nationalistes. L'histoire ne doit pas être nécessairement l'histoire de France ou l'histoire. En réalité, cette connaissance devra se présenter à tout moment comme une figure de l'histoire de l'humanité tout entière. Même si cette figure est prise circonstanciellement sous tel ou tel angle, ce sera toujours du point de vue d'être une partie de l'histoire de l'humanité tout entière qu'il faudra aborder la question historique. Septièmement, acquérir au fil des années une connaissance précise des fondements de la science physique et de la biologie moderne. Donc un enseignement des sciences effectives qui permettent de se situer dans leur déploiement. Et enfin, huitième point, acquérir des connaissances et des capacités de discernement en ce qui concerne les arts du sensible, notamment de façon centrale la peinture, la sculpture et la musique. Alors je pense que ces huit points devraient constituer la matrice fondamentale d'une programmation euh, générale d'un enseignement qui ne serait pas divisé en des fragments euh, disparates selon en réalité les provenances sociales, l'âge, etc., etc., mais qui devrait accomplir un programme de formation structuré par ces huit points dans toute la période qui va de 4 ans, disons, à 19 ans. Alors, parvenu à ce point, je voudrais me faire à moi-même une objection. Comme certains d'entre vous le savent, lorsqu'il s'agit des vérités, je distingue quatre procédures dans lesquelles se livre à nous une vérité neuve. Ces quatre procédures sont la science, l'art, la politique et l'amour. je les appelle depuis longtemps les quatre procédures de vérité. science, art, politique et amour. alors tout ce que je viens de vous dire concernant l'enseignement est clair pour ce qui concerne et la science et l'activité artistique. donc les deux premières procédures de vérité, la science et l'art, sont inscrites comme telles dans le protocole pédagogique que je vous propose. Pour les deux autres, la politique et l'amour, les choses sont à l'évidence plus complexes. Alors il faut se demander pourquoi. Parce que ces deux procédures, l'amour et la politique, et donc les vérités, qu'elle charrie, porte dans leur définition même l'intervention, je dirais même l'intrusion de l'autre. Un autre est évidemment immédiatement requis dans la procédure amoureuse, cependant, qu'en un sens, ce sont tous les autres qui sont requis dans la procédure politique. Vous pouvez lire un poème et écrire une tragédie, vous pouvez calculer et résoudre un problème, vous pouvez comprendre une expérience de chimie sans avoir à singulariser un partenaire ou conquérir une foule. Autrement dit, vous pouvez le faire au niveau précisément des protocoles singuliers et personnels du savoir. Mais. Faire réellement de la politique, faire réellement de la politique, ce qui ne se réduit pas à avoir une opinion, mais à un faire réel, cela, comme le répétait Mao Tse-Tung, implique une forte présence au sein des masses populaires, lesquelles composent le vrai sujet des politiques, et en particulier des politiques révolutionnaires. Donc les autres, dans une figure singulière, sont absolument requis dans l'instruction des vérités politiques elles-mêmes. Et évidemment, aimer quelqu'un, c'est en un sens se livrer absolument, sur bien des points, au verdict de cet autre qu'on aime. Or le seul enseignement ne peut ni vous présenter d'avance le groupe avec lequel vous allez agir politiquement, ni vous décrire d'avance ce que votre futur partenaire amoureux sera. Ce sont des choses dont la singularité est exclusive de tout discours général. Dans ce cas, on pourrait dire, dans le cas des vérités politiques et des vérités psychologiques amoureuses, l'expérience précède obligatoirement la connaissance. Ou encore, une vérité politique, tout comme une vérité amoureuse, dépend d'un type défini de rencontre. Il faut rencontrer les autres ou rencontrer l'autre. Ce qui veut en un sens dire que la construction d'une vérité dans ces deux procédures, ne relève finalement que peu d'un enseignement. Ou encore qu'il y a, dans les vérités amoureuses ou politiques, un élément circonstanciel qui ne peut pas être programmé. Alors disons, si vous voulez, que la culture artistique ou scientifique peut s'accommoder d'une didactique paisible, qui n'exige pas de vous de devenir un héros de ce que vous apprenez. Vous n'êtes pas forcé, pour jouir de ces procédures, de devenir un grand peintre ou un grand savant. Eux sont les porteurs des œuvres dont, en effet, vous devez acquérir la lecture ou la connaissance. En revanche, la culture politique où la culture amoureuse n'existe que dans l'action elle-même. Ce n'est que par une rencontre singulière que vous est ouvert l'accès à la vérité de l'autre dans l'amour. Et dans la politique, ce sont les puissants mouvements de masse qui vous enseignent ce dont la politique est capable. Mao tse encore lui, disait, parlant de la politique, et pour la caractériser, les masses, les masses seules, sont les véritables héros. Et nous, alors nous, c'était les communistes dans hein, la circonstance, et nous, nous sommes souvent d'une naïveté ridicule. Au fond, l'héroïsme politique, c'est la fusion de la pensée personnelle dans un collectif agissant au nom d'une idée. On pourrait dire qu'un amoureux qui n'est pas aimé est en effet bien ridicule. En amour, c'est la rencontre et la déclaration reçue et acceptée par l'autre qui compose ce qu'on pourrait appeler l'héroïsme d'une vérité d'amour. Il y a un héroïsme de la vérité d'amour. On pourrait le nommer l'héroïsme au regard de l'autre comme tel, de un autre qui, à un moment donné, est l'autre, avec un grand A. Tandis que l'héroïsme politique se tisse d'une fusion pensée et légitimée entre l'idée dont vous êtes porteur et le mouvement créateur, dans une situation déterminée des masses qui constituent cette situation. On pourrait le nommer, cette fois, l'héroïsme au regard du multiple comme tel. L'amour héroïque au regard d'un autre, la politique héroïque au regard d'un multiple. Et là, une difficulté supplémentaire vient de ce que les héroïsmes de l'altérité, finalement, parce que c'est ça. Amour et politique sont les héroïsmes de l'altérité. Nous sont souvent présentés dans les œuvres d'art sous une forme remaniée, concentrée, qui a une forte séduction. On peut s'abandonner à cette séduction de ces deux procédures, amour et politique, dans leur transcription, plus ou moins héroïque, dans la littérature ou dans l'art. Peut... Il n'y a pas de raison de se priver de cela, bien entendu. Mais enfin, il faut finalement définir soi-même l'attrait, qui est par ailleurs d'une portée universelle, qu'exerce sur vous la rencontre d'un ou d'une autre, ou l'inclusion dans un groupe politique actif. Ceci pour discerner la singularité qui fait que la politique et l'amour sont des procédures de vérité dans lesquelles un risque est pris, non seulement au regard de l'appropriation pensante, mais au regard de l'altérité, au regard de la rencontre. Alors, c'est ce dernier point, le collectif politique, qui va maintenant euh, nous retenir. La désignation ordinaire d'un sujet humain qui participe aux délibérations et aux actions d'un groupe politique, donc le sujet saisi dans son activité politique organisée, use le mot militant. Le militant, c'est celui qui fait de la politique, voilà, de façon générale. Alors peut-on philosophiquement examiné, ce que désigne de précis ce mot militant, et pourquoi est-ce lui qu'on trouve sur le chemin de la pensée Peut-il exister une philosophie de la militance S'agissant des philosophies de l'amour, on en a eu des, <coughs> des épreuves et des récits considérables. S'agissant des philosophies de euh, l'art ou de la science, on en a eu aussi beaucoup. Et qu'en est-il justement du personnage, du militant du point de vue de son appropriation C'est une question que je trouve aujourd'hui ingrate et nécessaire. Elle est ingrate parce que militant. Est un mot, une figure qui ont derrière eux une longue histoire. D'abord, on entend résonner dans le mot militant l'inévitable racine militaire. Et là, il faut distinguer le an de l'air. Le militant, sinon, ne serait que le soldat d'une conviction politique. Ce que sans doute il est aussi. À l'époque même de l'invention léniniste du Parti communiste, sous sa forme agissante et moderne, on a souvent parlé de ce parti en des termes militaires. En particulier, on a alors introduit, pour des raisons pratiques évidentes, des notions d'obéissance aux directives. On a vanté, je cite, la discipline de fer du parti. Il faut bien reconnaître qu'en effet, ces éléments lui ont souvent permis de tenir le terrain, de ne pas se laisser corrompre ou décomposer. C'était d'autant plus à l'ordre du jour, cette subsomption du militant, en un certain sens sous la discipline ou le militaire, qu'on a aussi introduit l'idée du révolutionnaire professionnel. Tout ça date de la même époque. Ce qui voulait dire que certains des militants étaient en fait rémunérés par le parti. Et souvent, il s'agissait de ceux qu'on nommait les cadres, soit les dirigeants. Car il y avait exactement comme dans les armées modernes, nous sommes toujours dans militants militaires, une hiérarchie, une hiérarchie ascendante. Par exemple, il y avait, il y a toujours plus ou moins, l'unité locale de base la cellule de l'usine ou de l'établissement scolaire ou du village. Et il y a forcément un secrétaire de la cellule qui veille aux réunions régulières et à la transmission des directives. Et les cellules peuvent être rassemblées dans des instances locales plus vastes, souvent nommées des sections, à l'échelle par exemple d'une petite ville ou d'un arrondissement d'une grande ville. J'ai connu ça moi-même personnellement. Moi-même, en tant que militant du Parti Socialiste Unifié, dans ma jeunesse, j'ai commencé ma carrière organisée comme secrétaire de la section du 5e arrondissement de Paris. C'était un grade, tout de même. C'était un premier grade. <laughs> euh, J'y ai, pour, pour l'anecdote, le romanesque. C'est là que j'ai pour la première fois fréquenté Michel Rocard. Qui était membre, lui, de la 5e section du PSU de Paris, qui, lui, est devenu, au bout de longues années, un chef de gouvernement de la 5 République. Donc, qui a été de cette assignation primordiale de la figure politique jusqu'à une de ses plus hautes instances. Mais au-delà de la section urbaine que je dirigeais, il y avait le groupe dirigeant de la ville, et puis celui du département, et puis le comité central, lequel nommait un bureau politique, lequel à son tour désignait de préférence à l'unanimité le secrétaire général, c'est-à-dire le chef suprême du parti. Alors, tout ça doit nous permettre, je le rappelle, c'est bien connu en fait, mais je le propose à la méditation à propos de la question suivante. Qu'est-ce en définitive que le militant dans cette affaire? On ne va pas par même le réduire à simplement un nom pour l'organisation semi-militaire du parti politique. Qu'est-ce que le militant Alors, il était, en tout cas, le membre d'une organisation strictement hiérarchisée, sur un modèle dont le soubassement était tout simplement celui de l'État, voire même de l'armée. Alors, c'est cette présence quasi fantomatique de l'État, dans ce qui prétend le renverser, par ailleurs, qui a posé en fait toute une série de problèmes, dont il faut maintenant, une fois pour toutes, faire le bilan, qui sera un long bilan et difficile, mais il faut le faire. Une série de problèmes caractéristiques de la politique, disons, en tout cas, à partir de la fin du XIXe siècle, à l'époque de la constitution des grands partis, la social-démocratie allemande par exemple, puis après la guerre, des partis durs, comme le parti russe de Lénine. Là se pose de toute évidence une question quant à la définition du militant. Au regard d'un ordre dont le modèle est incontestablement militaire, le R et le A. Alors ces problèmes étaient d'autant plus complexes qu'ils étaient contemporains de victoires remportées par les partis communistes, ces partis largement militarisés, qu'il s'agisse de l'Union soviétique ou qu'il s'agisse plus encore, par exemple, de la Chine, où la révolution a carrément pris la forme d'une grande guerre immanente classique visant à contrôler militairement tout le territoire national. Donc toute cette histoire du militant est, doit être examinée dans une espèce de coexistence complexe avec la notion primitive d'ordre militaire. Je dirais que nous vivons depuis peu de temps à l'échelle de l'histoire, hein peut-être à peu près un siècle ou un demi-siècle, une séquence tout à fait singulière, quand on y réfléchit, quand on la philosophe, de la guerre de classe entre le communisme et le capitalisme, entre le communisme révolutionnaire et le capitalisme dominant. Alors on peut la définir ainsi, cette séquence. Les victoires tactiques qui, sous la direction de puissants partis communistes largement militarisés, la prise du pouvoir d'État, qui est le signe absolu de cette victoire, s'avère être, au plus tard, au bout, et on prend, on vise, on prend large là, au plus tard, au bout d'un petit siècle, disons, s'avère être indubitablement des échecs stratégiques. Il faut regarder ça en face. Dans les pays concernés par ces victoires d'un parti militarisé, le communisme n'est souvent plus mentionné du tout. Il disparaît jusque dans les désignations. La dictature du prolétariat n'est plus que la dictature de partis qui organisent finalement une nouvelle bourgeoisie. Et le but stratégique de ces grands pays, la Russie ou la Chine, d'immenses pays qui ont été pendant des années des modèles de victoire des partis communistes militarisés, le but stratégique de ces partis... N'est plus du tout de proposer une figure nouvelle, radicalement nouvelle, de l'organisation sociale, ce qui était quand même la définition du communisme, mais leur but, c'est de s'imposer comme des puissances dirigeantes à l'échelle du marché capitaliste mondialisé. Et ceci dans l'horizon, à mon avis probable, de guerres ravageuses. Alors maintenant, si l'on se tourne vers l'origine de tout cela, c'est-à-dire si l'on cherche dans les textes politiques de Marx, par exemple le manifeste communiste dont j'ai parlé la dernière fois, ou le bilan de la commune de Paris, on ne trouve en vérité rien qui aille dans la direction d'un parti-État professionnel et militarisé de façon hiérarchique. La thèse communiste originaire est tout au contraire celle d'un dépérissement de l'État au profit esquissé, mais jamais vraiment validé, au profit d'assemblées populaires de type soviète. Un peu comme Lénine déclarant, juste après son retour en Russie, tout le pouvoir aux soviets. Il n'a pas dit du tout tout le pouvoir aux partis. Il a dit tout le pouvoir aux soviets. Et dans ses origines, toujours, la séquence dictatoriale du parti euh, militarisé n'est pas définie par le pouvoir d'un parti, mais par l'action énergique mise en œuvre pour quoi faire, pour détruire jusqu'à la nécessité d'un État. D'ailleurs, ce n'est pas dans la forme de l'État que doit se cristalliser finalement la victoire révolutionnaire ou communiste, mais dans le dépérissement de la nécessité étatique, ce qui exclut entièrement la figure à l'époque pourtant dominante de l'État parti. Alors nous devons revenir à la question, à partir de tout cela, qui concerne euh, au son d'importants paradoxes intellectuels, nous devons revenir à la question, dans ces conditions, le militant, s'il n'est pas simplement un militaire, donc euh, le communiste, le militant communiste, qui donc est-il Qui donc est-il tel que Marx le définit, pour revenir aux origines, comme il faut souvent faire quand vous avez un processus qui quitte la route qu'on lui assignait, pour revenir aux origines. Si l'on veut conserver, en dépit de son odeur militaire, le mot militant, comment, en intégrant à ce mot la faillite, du communisme de type parti-État, le définir le militant communiste. Autrement dit, comment définir aujourd'hui le militant communiste dans une distance prise à l'échec, en fin de compte, l'échec du communisme dans la figure du parti-État et du militant militaire Marx donne des communistes une définition sur laquelle, comme on fait quelquefois en mathématiques, il faut revenir comme on revient aux axiomes. La définition cherche une articulation entre idéologie et pratique, plus ou moins organisée. Et c'est vers cette articulation qu'il faut tenter d'aller et de la reformuler. C'est cette articulation qui a fait problème, l'articulation entre finalement pensée et organisation, ou pensée et action. Et alors on pourrait reformuler le problème ainsi. Qui peut être aujourd'hui, après la faillite de sa définition comme adhérent à un parti-État hiérarchisé, qui peut être et que peut être un militant communiste Ou encore, on pourrait dire, que signifie aujourd'hui, après le désastre en Russie de l'héritage étatique de Lénine, et après l'échec en Chine de la révolution culturelle levée contre la nouvelle bourgeoisie d'État, que signifie, au regard de ces deux faillites, la volonté d'être un militant du communisme, si toutefois elle signifie encore quelque chose Et Y a-t-il en la matière un héritage utile venu des nombreuses tentatives dans cette direction, liées notamment en France aux dizaines d'années qui ont entouré les novation timide, désignée aujourd'hui sous le nom de mai 68. Alors comme je vous le disais déjà, quand une grandiose proposition a en apparence totalement échoué, et au fond c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'entreprise communiste dans son premier volet séculaire, il faut revenir vers l'origine. Il faut refaire mouvement vers l'origine, pour déterminer au moins les données de la proposition initiale qui sont irréductibles. Même dans ce désastre, qu'est-ce qui reste d'intelligible dans le mot et dans les pratiques qui se réclament du communisme Alors, on peut revenir sur un passage cruciaux du manifeste communiste de Marx, pour ce qui concerne un point tout à fait abstrait mais essentiel, comme toujours quand on revient aux axiomes initiaux dans une science, pour ce qui concerne la définition de ceux qu'il appelle d'ailleurs toujours au pluriel les communistes. Pour Marx, il y a les communistes. C'est bien après qu'est venu les membres du parti, le, le, etc. Alors, selon Marx, les communistes, qui sont-ils et que font-ils Puisqu'ils ne sont pas définissables à ce moment-là comme adhérents organisés de façon hiérarchique d'un parti. Alors, il me semble qu'il y a trois points cruciaux sur cette question. Que sont-ils Que font-ils, les communistes, dans leur proposition primitive de Marx Il y a trois points dont aucun n'implique la question d'un parti comme tel. C'est-à-dire tous, tous les trois points concernent la subjectivité active de quiconque se réclame du communisme quelle que soit sa situation sociale, son organisation ou sa présence. Le communiste doit être définissable en tant que singularité indépendante prioritairement de sa future organisation en figure partisane. Alors voici quels sont ces trois points. Je les rappelle parce qu'ils sont leur articulation est importante. Premier point, un communiste participe au mouvement populaire, ou plus précisément prolétarien, contre l'exploitation capitaliste sur les lieux de travail et contre les instruments étatiques du pouvoir bourgeois qui protègent cette exploitation. Donc le communiste, un communiste, a pour impératif, lorsqu'il y a des mouvements populaires ou prolétariens contre l'exploitation capitaliste, sur les lieux du travail ou dans les villes, de participer à ces mouvements. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'impératif de l'engagement pratique. Deuxièmement, un communiste soutient toujours, y compris dans les mouvements, et surtout même dans les mouvements auxquels il participent, selon le point 1, que les identités, par exemple de type national, ou d'âge, ou de religion, ou de sexe, ne doivent avoir dans les luttes prolétariennes aucune importance. En particulier, en somme, l'internationalisme est un impératif rigoureux du communisme subjectivé. Et ce, dès les luttes ouvrières dans un pays déterminé. Donc vous voyez, déjà nous passons de la participation, premier axiome, à un impératif de, la deuxième partie de, la, de cette participation, qui est un impératif en quelque sorte négatif, toujours s'opposer aux particularités comme, euh, comme source de négation, de contradiction ou d'opposition. Autrement dit, l'internationalisme est une donnée immanente, internationale sur ce sens large, ça vaut aussi sur les questions raciales, sur les questions sexuelles, sur les questions... Mais cet internationalisme, ou cette interfigure du communiste, est une nécessité absolue, quelle que soit la situation dans les luttes ouvrières concernées. Et troisièmement, un communiste, c'est un point crucial, mais c'est le troisième point, attache une importance décisive, y compris dans les luttes de masse, aux questions de la propriété. Donc il oppose dans tout combat de classe la propriété collective qu'il soutient. Sur ce point d'ailleurs, je note au passage que... Marx ne parle pas de nationalisation, comme on a fait plus tard. À ses yeux, ça serait réintroduire quelque chose qui ne colle pas avec la deuxième obligation, hein, celle qui est de ne pas tenir compte, justement, des particularités nationales. Nationalisation est de toute évidence un mauvais mot pour un communiste. Hein. Collectivisation est le seul mot réel. Collectivisation, partout où vous êtes, et quelle que soit la figure nationale concernée. Et par conséquent, le communiste oppose dans tout combat de classe la propriété collective à la propriété bourgeoise des instruments de production et d'échange. Finalement, pour Marx, nous pouvons identifier le communiste qui n'est pas proposé comme identifiable par son appartenance à une organisation définie. Et pour autant que nous reprenons le mot militant, on pourra identifier le militant communiste à trois traits fondamentaux. Et ceci, quel que soit le lieu, les circonstances, le nombre et les formes d'organisation. Il y aura donc trois traits décisifs pour toute appréhension effective de la politique marxiste, trois traits que euh, on peut renommer ainsi. Renommée. L'impératif premier, on peut l'appeler la ligne de masse. C'est un nom plutôt d'origine chinoise, mais qui me paraît tout à fait convenir. L'impératif 1, la ligne de masse, à savoir la localisation première de la pratique communiste se fait quelle que soit l'origine du communiste concerné dans. Sa liaison, sa liaison concrète aux masses populaires opprimées et révoltées. Et s'il est né à l'écart de ces masses, il devra faire le trajet pour les rejoindre. Ce qui a légitimé et légitime toujours, par exemple, la présence de communistes à la porte des usines notamment en cas d'action collective, mais aussi pour discuter des situations et préparer des réunions et ou des actions. C'est un exemple concret de cet impératif absolu qui est que quiconque se déclare communiste doit avoir une expérience continue d'une liaison effective en termes de discussion, de réunion, de tout ce qu'on veut aux masses populaires véritablement opprimées et révoltées, et en particulier, évidemment, aux masses ouvrières. Ça, c'est l'impératif, la ligne de masse. L'impératif nouveau, le deuxième, c'est l'internationalisme. Donc, ligne de masse, internationalisme. À savoir, notamment ici, une attention toute particulière Portés aux ouvriers venus d'ailleurs, d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique du Sud, lesquels sont en général persécutés par l'État et sa police, méprisés par l'opinion bourgeoise et surexploités dans les fonctions les moins bien payées ou souvent très peu payées. Le communiste, Dit Marx virtuellement, accueille et soutient ses ouvriers. Il organise partout leur défense et, obéissant au premier impératif, n'accorde aucun intérêt au fait qu'ils ne soient pas de la même origine nationale. Voilà. <laughs> impératif, et ça c'est l'impératif de l'internationalisme réel, cest l'internationalisme qui n'est pas une. une, une qui ne concerne pas au fond les accords entre États, etc., mais qui concerne l'option concrète en situation avec laquelle on reçoit et on travaille lorsque on est lié à des ouvriers ou à des gens quelconques qui viennent d'ailleurs. Et le troisième impératif, le communiste combat partout contre la propriété bourgeoise pour la collectivisation des moyens de production, de transport ou d'échange. Je pense alors évidemment ça c'est son côté communiste au sens de la définition du communiste. Il est pour la propriété commune et contre la propriété privée. Je rappelle que Marx écrit dans le manifeste que il y a en somme, un seul impératif global qui euh, contiendrait tous les autres et euh, qui est l'abolition de la propriété bourgeoise privée. Alors aujourd'hui, ça veut aussi dire, ça, que le communiste se reconnaît, et c'est pour ça qu'on n'en voit pas des masses, dans la lutte avec acharnement contre les privatisations. C'est euh, évidemment une manière tout à fait fondamental de manifester le fait qu'il est contre la propriété bourgeoise et pour la collectivisation des moyens de production. La privatisation, c'est exactement l'inverse. C'est redonner à la bourgeoisie la propriété effective de tel ou tel moyen de production. Et la lutte avec acharnement contre les privatisations, y compris pour être dans notre situation ici, en ce qui concerne l'école, les universités, les hôpitaux, les transports urbains, les sources d'énergie, les grandes concentrations industrielles, etc. Il est absolument euh, frappant de voir à quel point aujourd'hui les privatisations, qui sont une des grandes manies de notre président, pas Macron, on pourrait l'appeler le, priva le privatiseur en chef, plutôt que le chef de l'état. Eh lutter contre les privatisations, c'est la forme première de défendre la collectivisation malgré tout. même si il ne faut pas confondre non plus collectivisation et étatisation. il y a trois termes là. la propriété d'état ne garantit pas qu'on soit dans une propriété communiste. elle peut être elle-même déformée et transformée. En une propriété bourgeoise. Mais néanmoins, la privatisation est un geste négatif, essentiel de la politique contemporaine en France. Et j'ai toujours trouvé que, dès qu'il s'agit de l'école, des universités, des hôpitaux, des transports urbains, à l'heure actuelle, il y a des, des tentatives et des réalisations de privatisation contre lesquelles il devrait y avoir une levée. On reconnaîtrait qui est le communiste, ben, celui qui est levé effectivement et activement contre euh, toutes euh, ces privatisations. Alors voilà. Et je pense organiser pour notre prochaine oui. séance, à la lumière et à l'illustration de tout cela, la présentation de quelques exemples effectifs et ici présents de ce qu'a pu être ou de ce qu'est un militant communiste dans notre pays. Soit qu'il soit directement présent, soit que son souvenir soit présenté. Donc nous aurons là une tentative de monstration. Euh, d'un ou de plusieurs communistes <laughs> qui pourront raconter leur existence de telle sorte qu'il y aura ou non vérification euh, de tout ce que j'ai dit à son propos. Et vous aurez donc l'occasion sur ce sujet de poser encore bien des questions. Alors pourquoi tant de questions Eh bien, tout simplement pour une situation. Il y a une rareté aujourd'hui de ce type humain singulier qu'est le communiste au sens de Marx. Le communiste au sens de Marx. Et au fond, nous avons la nécessité absolue, sauf à sombrer dans le pire d'en multiplier l'existence. Et ce, c'est le problème à résoudre, dans le cadre d'une politique qu'on pourrait dire sans parti. D'une politique communiste sans parti, vu ce qu'a été le bilan des partis communistes et du militant militarisé. Politique sans parti, cela voudra dire une politique directement confiée à une fédération de dispositifs populaires. C'est à inventer. Et c'est tout à fait normal que ce soit à inventer après une longue expérience historique du parti au sens classique, dont nous savons aujourd'hui qu'elle ne permet pas d'être réellement l'abri et la chance des communistes. La politique communiste sans parti et encore moins sans parti-État visera à rien moins que créer un pays libéré, comme le déclarait Marx, non seulement de la propriété bourgeoise, mais aussi et en même temps de toute contrainte étatique. Voilà mon espérance. Merci.